Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue sur Abidjan.net pour cette interview exclusive. Exclusive parce que nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir pour vous Monsieur le directeur général de GIM UEMOA, le groupement interbancaire monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur Mina Yenyan Koulibaly. Bonjour, Monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur. Alors, première question, en quoi consistent concrètement les activités donc de GIM UEMOA? Le GIM UEMOA est une institution régionale qui appartient à la Banque centrale à hauteur de 50,35% et aux banques commerciales à hauteur de 49,65%. Et cette institution consiste à mettre en œuvre l'interopérabilité autour de différents moyens de paiement. Pour l'instant, nous avons mis en œuvre l'interopérabilité autour de la carte bancaire, donc ce qui constitue notre première activité. Donc, déployer une infrastructure qui permettra à chaque porteur de carte bancaire de considérer que toutes les banques sont ses banques. C'est ça le principe. Donc, quand vous sortez de chez vous, avec votre carte bancaire, vous avez besoin de faire une opération de retrait, par exemple, vous n'êtes pas obligé de chercher forcément un distributeur automatique de billets de banque de votre banque. Donc, n'importe quel distributeur de banque que vous trouvez, vous pouvez faire l'opération. Et ce, dans les pays dans les 8 pays de l'UEMOA. C'est cela, l'activité d'interopérabilité bancaire autour de la carte bancaire. Il est prévu qu'il y ait d'autres formes d'interopérabilité autour d'autres instruments de paiement. Et je pense que ça viendra dans le cours des mois ou des années à venir. La deuxième activité, c'est que nous sommes un schéma de paiement régional. Le schéma de paiement régional, c'est-à-dire nous avons défini un corpus réglementaire, nous avons défini des règles de fonctionnement qui permettent aux émetteurs agréés, parce que tout le monde ne peut pas émettre une carte bancaire, donc aux émetteurs agréés que sont les banques, de pouvoir s'appuyer sur sur ce dispositif pour émettre des cartes bancaires, et ces cartes bancaires sont les cartes GIM. Comme il y a les cartes d'autres schémas de paiement que vous connaissez certainement, il y a aussi la carte GIM qui a une particularité, c'est que, un, elle est hyper abordable en termes de coûts et elle fonctionne dans les 8 pays. Donc avec cette carte, vous pouvez voyager dans les 8 pays et cela vous permet d'utiliser votre carte sans être obligé d'utiliser une carte étrangère. Et cette possibilité dans les 8 pays va être augmentée. Nous allons bientôt permettre que ces cartes-là aillent dans le voisinage immédiat. Parce que le but de cette carte bancaire, c'est servir d'alternative locale aux populations de cette région de 8 pays. Or, nous savons qu'il y a un effet de débordement des populations. Sociologiquement, les frontières ne sont pas les mêmes. Si vous prenez le Sénégal, vous avez une forte communauté guinéenne qui fait les va-et-vient des deux côtés. Il faut qu'on permette à ces populations, quand elles se déplacent en Guinée, d'utiliser toujours leur carte GIM. Pareil, en Côte d'Ivoire, vous avez un débordement sur le Ghana. Il faut permettre que la carte GIM puisse continuer de fonctionner. Donc, un projet est actuellement en cours avec un autre schéma de paiement, notamment Verve International, qui est un schéma de paiement nigérien, pour permettre que la carte GIM soit acceptée dans le réseau de cet autre schéma de paiement. Donc cela va permettre de couvrir le voisinage immédiat et d'étendre le nombre de pays où la carte GIM est acceptée. La troisième activité, c'est l'activité délégataire. L'activité délégataire, c'est du processing. Donc elle consiste à mutualiser les moyens de production de la monétique. Pour faire de la monétique, il faut des infrastructures techniques, il faut des applis, il faut des applications, il faut des serveurs, il faut des hommes. Cela, il faut protéger les données. Il faut sécuriser les données, il y a énormément de composants qu'il faut mettre en place. Donc pour certaines banques, ça peut être un investissement un peu risqué parce qu'on n'est pas sûr de la rentabilité. Et cela est d'autant plus justifié quand l'activité est nouvelle. Au début de la monétique dans la région, c'était un peu compliqué pour toutes les banques de pouvoir le faire. Et notamment les banques qui ne sont pas dans des réseaux, dans des groupes de banques, c'était un investissement assez lourd. Parce qu'elles vont investir un certain montant, elles vont devoir le rentabiliser
sur un marché qui n'est pas forcément très grand. Donc cela permettait en fait de mutualiser et de faciliter ces investissements au niveau de ces banques, de ces acteurs. Et cette activité a donc déployé les infrastructures qui sont mises à la disposition des banques, pour celles qui le veulent, hein, ce n'est pas une obligation. La banque qui veut s'appuyer sur l'infrastructure délégataire du GIM pour faire un certain nombre d'opérations pour la monétique, elles peuvent le faire. Et ce travail de mutualisation continue sur d'autres domaines qui apparaissent. L'innovation aujourd'hui est extrêmement importante pour tous les acteurs bancaires. Mais nous proposons également des solutions, des alternatives de mutualisation autour de l'innovation. Alors, monsieur le directeur général, justement, parler d'innovation, le GIM UEMOA existe depuis 2003. Aujourd'hui, quels sont les acquis et les perspectives donc, de ce secteur en Afrique? Mais les acquis aujourd'hui, c'est que, déjà, au niveau de l'interopérabilité bancaire, je pense que c'est un acquis. Aujourd'hui, c'est possible de se lever avec sa carte de Société Générale et aller faire une transaction chez NCA, ainsi de suite. C'est un acquis. Ce n'était pas évident. Et l'un des acquis majeurs, c'est l'adhésion des membres, l'adhésion des banques. Parce qu'au début, au démarrage, ce n'était pas acquis. Ce n'est pas une obligation pour les banques d'adhérer à l'idée et à la vision que le GIM propose. Et au vu de tous les investissements et voilà, tout ça. Donc, beaucoup de banques étaient réticentes à le faire pour plusieurs raisons, mais aujourd'hui, ça paraît, je dirais, trivial pour une banque qui commence son activité d'adhérer systématiquement au GIM. Donc c'est un gros acquis et c'est important de le signaler. Et l'autre acquis, c'est qu'on a un schéma de paiement qui existe. 26% des cartes émises dans la région sont aujourd'hui des cartes GIM. Et ça, c'est un acquis. Donc, on a de solides acquis, on a une plateforme qui tourne, on a un support aux banques sur les aspects sécurité. Et donc, tout ceci constitue des acquis. Et on a créé un écosystème, finalement, de compétences qui permet... Et aujourd'hui, beaucoup de banques recrutent chez nous. Beaucoup de banques recrutent chez nous parce que c'est les compétences que nous avons, souvent chez nous, ne peuvent pas se retrouver ailleurs. Parce que ces personnes, ces ingénieurs, ces techniciens que nous recrutons, ben, travaillent au quotidien sur les problématiques de plus d'une centaine de banques. Et souvent, ça apporte un certain savoir-faire qu'on ne peut pas retrouver forcément quand on travaille à l'intérieur d'une banque. Donc nous sommes devenus un creuset de compétences pour l'ensemble de la communauté bancaire. Et c'est un acquis important. GIM UEMOA, c'est le numérique, c'est l'innovation, c'est les nouvelles technologies. Est-ce que justement avec cet avantage, vous avez été affecté par la crise de la Covid-19? Si oui, comment avez-vous surmonté ou comment surmontez-vous cette crise? Disons que nous sommes une entreprise comme une autre et nous avons été naturellement impactés lourdement par la pandémie. Nous avons dû faire des efforts sur notre tarification, qui n'est pas déjà très élevée, donc cela financièrement a un coût pour nous. Et nous avons dû aussi faire face à la baisse des transactions, parce que vous savez, les frontières étaient fermées, et les populations ne pouvaient pas se déplacer d'un pays à un autre de l'UEMOA. Du coup, il y a moins de transactions. Et donc, malgré les efforts, malgré tous ces paramètres, nous avons tenu le choc parce que nous avons pu faire nos objectifs. On a fait le résultat qui était prévu au budget. Le chiffre d'affaires a légèrement baissé, mais globalement, nous avons tenu le choc. Intérieurement, au niveau des équipes, cela a été difficile, comme partout d'ailleurs, parce que c'est quelque chose d'inédit. Et psychologiquement, ça a beaucoup impacter les équipes, travailler à distance parce qu'il faut rester à la maison. Tout ceci, on est comme tout le monde, on a été lourdement impacté. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter les collaborateurs qui ont traversé cette épreuve et ont montré que nous pouvons être une équipe. Voilà. Alors, monsieur le directeur général, outre donc, cette crise de la Covid dont on vient de parler, il y a également la menace sécuritaire qui est un frein justement au développement donc, de l'économie dans les pays africains. Qu'est-ce qui est fait pour maintenir la confiance
de vos membres durant toutes ces années, avez-vous connu au moins une fois des moments de doute? Je parle par exemple de cyberattaques, de problèmes au niveau donc de l'écosystème numérique sur lequel vous travaillez en permanence. Ben, nous sommes des humains et nous sommes une organisation d'humains. Donc nous sommes confrontés aux doutes comme tout le monde. Et d'ailleurs, le doute a cela de bien, c'est qu'il vous permet de vous préparer. Il vous permet de vous préparer et de ne pas croire que vous êtes surhumain. Nous sommes des humains et nous reconnaissons que nous sommes des humains. Et ça nous arrive comme ça arrive à d'autres. Et nous prenons les dispositions. Nous travaillons à sécuriser nos plateformes de telle sorte que les membres aient confiance au service que nous fournissons. Et cela, c'est un travail de tous les jours et c'est une attention de tous les jours. Quels sont vos rapports, je parle de GMU moi, avec les multinationales des cartes bancaires prépayées, notamment Visa, Mastercard, très présentes en Afrique et qui contribuent en quelque sorte à la bancarisation des populations? Comme je vous l'ai dit tantôt, on a trois activités. L'une des activités consiste à faciliter l'accès de nos membres à un certain nombre de solutions. Mais nous avons considéré que les réseaux internationaux apportaient des solutions intéressantes aux populations et contribuaient à la bancarisation. Et à ce titre-là, nous avons proposé un service de sponsoring pour permettre à l'ensemble des acteurs d'avoir un accès équitable à ces réseaux. Parce qu'il faut savoir que pour une banque, pour émettre une carte de l'un de ces réseaux, il faut remplir un certain nombre de conditions. Toutes les banques n'ont pas envie forcément de le faire, pas qu'elles ne sont pas capables, mais parfois c'est une question économique, c'est une question d'équation économique. Est-ce que si je fais tous ces investissements tout seul, moi, est-ce que les cartes que je vais proposer à mes clients rapporteront suffisamment pour couvrir mon investissement? Et à cette question, parfois, la réponse est de dire, s'il y a une alternative de mutualisation, je préfère cette alternative. Et nous avons proposé cette alternative. Donc, quelque part, nous acceptons très bien ces réseaux. Mieux, nous sommes allés jusqu'à proposer une facilité aux acteurs de la zone pour qu'elles adoptent les solutions de ces réseaux. Aujourd'hui, il y a énormément de fintech. Nous souhaitons, et j'en profite, c'est un appel que je lance, il y a aussi une forme de mutualisation à faire. Il est important que le GMU moi joue son rôle auprès de ces fintechs dans leur relation avec ces réseaux. C'est extrêmement important. Ouais. Alors nous allons revenir justement sur la question des fintechs, mais avant, on constate que la préférence justement des usagers pour les cartes bancaires prépayées pour des raisons de sécurité en général. Est-ce que ces raisons sont justifiées selon vous, monsieur le directeur général? Tout ce qui vient du client est justifié. Parce que le client est roi. On n'est pas le client. Si le client dit, j'ai la sensation que y a des craintes de sécurité, donc je préfère utiliser la carte prépayée, nous, c'est une perception. Et les perceptions, il faut les respecter. Et il faut y apporter des solutions. Donc je pense que la question est de savoir, est-ce que c'est justifié? Oui, c'est justifié parce qu'il le pense. Alors, monsieur le directeur général, vous venez de le dire, le client est libre de choisir entre la carte prépayée et les cartes adéquates. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire quand même comme argument pour les inviter toujours à utiliser des cartes, par exemple, de GMU moi? Disons que ce qu'il faut comprendre, c'est pas tant d'utiliser les cartes de GMU, c'est d'utiliser toutes les cartes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la carte soit Visa, Mastercard, UnionPay, tant qu'elle est utilisée dans l'espace UEMOA, c'est une transaction qui est traitée par le GMU. Donc, comme je l'ai dit, notre activité délégataire où nous proposons des moyens d'émission, où notre activité de schéma de paiement n'est qu'une alternative locale pour ne pas que les consommateurs de cette région n'aient d'autres choix que les cartes internationales. Donc ce n'est pas notre but n'est pas tant de dire aux clients utilisez que la carte GMU, non, qu'ils utilisent la carte qui leur semble être la plus intéressante pour eux. C'est ça le sens de la liberté. L'être humain a besoin de choix. Même Dieu nous donne le libre arbitre, il nous donne le choix. Donc ce n'est pas à nous d'interdire ça. Nous favorisons la diversité, nous favorisons la concurrence parce que de la concurrence naît toujours du positif. Concernant la carte prépayée, elle est effectivement pour certains utilisateurs
Ils estiment que c'est une solution de sécurité parce que la carte prépayée n'est pas liée au compte bancaire. Et la carte prépayée est un porte-monnaie électronique. Donc, ils estiment que quand ils font une transaction en ligne avec leur carte prépayée, leur compte n'est pas à risque. Mais ils n'ont pas tort puisqu'il y a énormément de risques sécuritaires dans les transactions. C'est un peu comme ça partout dans le monde. Donc, quelque part, prendre cette précaution n'est pas si mauvaise dans la mesure où cela permet de développer la carte prépayée. Et la carte prépayée correspond aussi à nos usages, à nos habitudes dans la région. Le taux de bancarisation, c'est 20% en moyenne. C'est-à-dire, il y a, sur 100, il y a 20 personnes qui disposent d'un compte bancaire. Donc, qui dispose d'une carte de débit? Donc, si en lançant la carte prépayée, cela permet à d'autres qui n'ont pas la possibilité d'avoir un compte bancaire et une carte de débit, de disposer aussi de cartes bancaires. De ce point de vue, c'est positif. Nous avons, à travers l'introduction de la carte prépayée, nous avons fourni une alternative qui est adaptée aux problématiques de la zone. Selon vous, Monsieur le Directeur Général, la carte prépayée contribue donc à favoriser l'inclusion financière en Afrique. C'est un bon début pour l'inclusion financière. Parce que l'inclusion financière, c'est beaucoup plus que ça, de disposer d'une carte. Qu'est-ce que c'est? L'inclusion financière, selon la définition de la Banque mondiale, c'est de permettre à une personne de disposer au moins d'un compte bancaire. D'un compte. Disons un compte. Le compte, il peut être bancaire, il peut être aussi fourni par des non-banques. Donc, il faut qu'il dispose d'un compte. Il faut qu'il puisse épargner via ses institutions financières. Et il faut qu'il puisse faire le maximum de transactions avec ces instruments de paiement qui existent. Parce qu'aujourd'hui, le cash est roi et tout le monde fait ses transactions par cash. Même ceux qui disposent d'un compte, sont-ils véritablement inclus financièrement? J'en doute. Parce que la pratique, c'est que si vous observez bien, lorsqu'on reçoit notre salaire sur le compte, et qu'est-ce qu'on fait? À la fin du mois, tout le monde se précipite sur les GAB ou bien dans son agence bancaire et retire ce qui doit être utilisé dans le mois en cash et le dépense en cash. Est-ce que faire cela, c'est être inclus financièrement? Je ne crois pas. L'inclusion financière, c'est plus que ça. Mais c'est un bon début déjà. Parce qu'ils reçoivent au moins leur salaire sur leur compte et ils peuvent épargner à la banque. Ainsi de suite. Donc, c'est déjà un bon début. Mais je dis, il y a différentes catégories dans cette notion de population exclue financièrement. Il y a des catégories. Donc, il faut proposer des solutions pour l'ensemble de ces catégories. Parlant de solutions, justement, ici en Côte d'Ivoire, la société Weblogy a développé une super application APM avec plusieurs avantages. Le transfert de carte à carte, le rechargement à partir d'opérateurs téléphoniques mobiles et l'utilisation de plusieurs cartes via cette application. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est une belle initiative et ça répond à mon propos précédent. C'est que j'ai dit tout à l'heure, il y a différents segments dans les populations exclues financièrement. Vous avez ceux qui disposent des comptes, qui retirent le cash et qui font toutes les transactions en cash. Ils vont au supermarché, ils ont leur cash sur eux. Tout ce qu'ils font, ils vont acheter la carte de bus en faisant de longs rangs. Déjà, la carte elle-même, elle doit être encore en format papier. L'application que vous venez de développer donne la possibilité aux gens de continuer, de ne même pas se présenter dans une agence bancaire. Elle donne la possibilité pour un porteur d'inclure dans cette carte tout, c'est-à-dire son compte bancaire. Elle est possible, je l'ai téléchargé, je sais comment elle fonctionne. On peut rattacher son compte bancaire, on peut rattacher ses différents instruments de paiement. Ça peut être une carte prépayée ou plusieurs cartes prépayées. Et à partir de là, faire ses dépenses. Partout où ces instruments sont acceptés. Donc cela pose deux problèmes qui font que aussi les gens ne peuvent pas faire ce que je viens de décrire. Il faut l'écosystème qui va avec. Vous collaborez déjà avec les institutions bancaires. Est-ce que vous envisagez collaborer justement avec ces fintechs qui proposent des solutions alternatives? Bien sûr. Nous ne demandons que cela. Est-ce que vous avez entamé ce processus de collaboration? Le processus existe, il suffit juste que le fintech saisisse les possibilités qui sont offertes. Le GIM, comme je te dis, a une activité de processing où nous permettons à des banques d'émettre des cartes. Donc des cartes prépayées, elles peuvent être des réseaux internationaux ou elles peuvent être du schéma de paiement régional. Donc rien n'interdit
que ces cartes-là puissent être aussi incluses dans votre application. Donc, on est ouvert. Je vous dis, le GYM, en tant qu'institution régionale qui propose une activité délégataire pour mutualiser les moyens de production et pour favoriser le développement de l'écosystème, nous ne pouvons que aider. Et je l'ai dit, on a commencé par proposer une alternative de mutualisation sur la carte bancaire, en proposant une plateforme de carte bancaire. Et je dis, aujourd'hui, l'enjeu, c'est les innovations. C'est de proposer également une alternative mutualiste sur l'innovation. Mais aider les fintechs ou contribuer à développer les fintechs rentre dans ce cadre. Dans un pays, les routes, les ponts tous ces investissements sont faits par l'État. Pourquoi ? Parce que ces infrastructures sont des externalités. Elles sont des externalités positives sur d'autres activités. Dans le domaine du paiement et de la monétique régionale, il faut comprendre que les infrastructures, il y a des infrastructures également. Et ces infrastructures ont des externalités positives sur l'activité de tout le monde. Donc le GYM se propose de fournir ces infrastructures, de favoriser l'accès équitable de tous les acteurs, bancaires et non bancaires. Quand je dis non bancaires, je parle de fintech. Parce que pour faire cette application, vous avez fait cette application, mais il y a d'autres composants à déployer pour qu'elle puisse fonctionner en toute sécurité et qu'elle puisse fonctionner dans le cadre du corpus réglementaire qui existe dans la région. Donc il y a énormément d'infrastructures, on ne pourra pas les aborder toutes, mais je prendrai simplement une seule, l'infrastructure KYC. KYC pour Know Your Customer. Quand vous allez ouvrir un compte bancaire en agence, on vous demande un certain nombre de documents pour vous authentifier, pour savoir si c'est vraiment vous. Lorsque vous faites cette opération à distance, comme pourrait le proposer votre application, mais il faudrait que, si je suis assis dans mon salon, que je veux ouvrir un compte à NCA Bank, il faut que je puisse faire le même processus, que je permette à la banque de mieux me connaître et de s'assurer que vraiment je suis ce que je suis et ce que je déclare être. Mais pour le faire, vu que c'est à distance et que le but est de faciliter la vie, pour ne pas que j'affronte les embouteillages pour me rendre dans une agence, il faut bien que NCA puisse se connecter à une plateforme pour vérifier les informations que vous lui envoyez. Parce que vous allez prendre une photo de vous, vous allez scanner votre carte d'identité, envoyer, et puis d'autres paramètres. Mais ces paramètres, il faut que NCA puisse les vérifier. Pour les vérifier, ils se connectent à des bases de données. Tout ce qui permet, toute cette infrastructure qui permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure eKYC. Mais est-ce que chaque acteur comme WebLogic devra construire cette infrastructure pour pouvoir permettre de faire ces opérations à distance? Si chacun devait le faire comme ça, ça rendrait les prix non attractifs. Et si les prix sont non attractifs, il n'y aura pas d'inclusion financière. Parce qu'un élément fondamental dans l'inclusion financière, c'est l'attractivité des prix, la facilité de l'usage. Donc c'est une infrastructure qui est commune à tous les acteurs. Faisons en sorte que cette infrastructure commune ne soit pas à développer par chacun. Donc le GYM se propose de la développer et de la mettre à disposition de tous les acteurs. On retient donc que vous êtes ouvert à toute proposition justement des fintechs pour améliorer ce secteur. Alors monsieur le directeur général, ce sera la dernière question. Quels pourraient être les prochains défis du GYM UOMOA dans cet environnement qui évolue très vite? Mais c'est de pouvoir être time to market. J'ai parlé tout à l'heure de notre activité délégataire. Elle est très instrumentale pour développer la digitalisation du paiement dans la zone de développement de l'écosystème. Sans ces infrastructures, il n'y aura pas de développement de l'écosystème. Si on laisse les investissements dans ces infrastructures à chaque acteur, on va aller lentement. Il faut mutualiser. Le GYM, à travers son activité délégataire, est un formidable instrument et mécanisme de mutualisation de ces investissements qui sont lourds. On a parlé de sécurité, mais pour se sécuriser, il faut des infrastructures. Et ces infrastructures, si chacun doit les développer, ça va être coûteux. Je vous donne un exemple qui est connu, qui est là, à côté de nous, c'est la fibre optique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, chaque opérateur télécom a déployé sa propre fibre, son infrastructure fibre optique. Mais on déploie la fibre pour quoi? Pour fournir des services aux populations. Et ce sont des services qui sont considérés comme étant
je dirais, des services universels. C'est-à-dire tout le monde doit avoir accès à ces services. Si ces services ne sont pas universels, il n'y aura pas de développement du numérique. Et le haut débit aujourd'hui, ce n'est pas un luxe. Le haut débit, c'est normal, c'est naturel. Mais ce n'est pas le cas. Sans infrastructure, sans fibre optique, il n'y a pas de haut débit. Et si on laisse chaque opérateur développer faire de lourds investissements pour déployer la fibre sur tous les territoires, il faut bien qu'ils amortissent ces investissements. Et pour amortir ces investissements, c'est dans le prix. Donc le prix mettra du temps à baisser et à être attractif pour tout le monde. Or, l'État a les moyens de déployer cette infrastructure pour créer des externalités positives dans l'adoption des technologies et dans la digitalisation de l'économie. Et je pense que le GIM peut le faire à l'échelle de la région. C'est un exemple que je donnais juste pour montrer l'importance des infrastructures dans le développement du paiement. Et donc, il faut bien identifier les infrastructures que devra développer le GIM. Et ce n'est pas toutes les infrastructures, certaines. De telle sorte que ces infrastructures créent des externalités positives dans le développement de l'écosystème et du paiement en général. Et le GIM ne demande que cela. Et pour faire ça, ben, il y a un certain nombre de réformes à mettre en place. Il faut que le GIM soit agile. Si le GIM doit les mettre en place au moment où les gens ont attendu 10 ans et chacun, la nature aurait du vide. Si le GIM n'est pas capable de mettre les infrastructures à temps, les acteurs vont trouver des solutions alternatives qui ne sont pas forcément des solutions idoines pour le développement. Donc on doit être agile. Sans l'agilité, rien n'est possible. Sans l'agilité, rien n'est possible. C'est sur cette note d'espoir que nous allons terminer donc cette interview. Mesdames, Messieurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Minanyenan Koulibaly, directeur général du GIM UEMOA, avec qui nous avons parlé, bien entendu, du bilan et des perspectives donc de cette institution financière, mais également d'inclusion financière. Merci et à bientôt.